La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Lambélizère. Il y a un plaisir pour nous avoir dans le premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi c'est Jacques Lambélizère. Quelqu'un grand point cap dominé, actualité. Actualité électorale là aux États-Unis, parti démocrate là, à Kamala Harris et Tim Walz, et parti républicain à Donald Trump et J.D. Vance, menaient campagne sous plusieurs thèmes parmi eux. Avotement. International Iran continue à menacer pour le venger l'envoi dans Téhéran chef politique Hamas là, Ismaël Haniyeh. Dans le pays d'Haïti, police nationale a recevoir 20 machines blindées pour combattre gang Améo qui continue à semer la terre dans le pays. Et c'est point ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Aujourd'hui, c'est lundi 26 août 2024, donc son mois qui pratiquement, mois d'août là, a fini. Et puis, actualité a mené nous dans guerre, la Russie qui a fait contre l'Ukraine. Eh bien, au moins, il y a 4 personnes qui mourent, une dizaine d'autres blessés, après que la Russie, eh bien, l'État lapidé l'Ukraine en bas missile et drone, sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Sandra Lemaire, gain détail. La Russie attaquait l'Ukraine avec un paquet de missiles et drones que l'autorité a dit tuer 4 personnes, blessé plus passé une douzaine de personnes et puis endommagé installation électricité. Président Volodymyr Zelensky décrit dernière attaque comme déroutant. Monsieur dit pas ta doué gain aucune restriction sur porter des armes pour Ukraine. Dans moment terroriste, pas gain aucune restriction eux-mêmes. Mon cap défend la vie pas ta doué faire face à restriction armes pendant la Russie servir à toute qualité armes ensemble avec drone, Shahed et puis missiles balistiques qui sorti Corée du Nord. États-Unis, Royaume-Uni, la France avec l'autre partenaire yo gain pouvoir pour aider nous suspendre terreur. Nous besoin décision. Attaque à plus passé 100 missiles et même quantité de drones, t'es en main vers minuit et puis durée jour que soleil là t'es levé lundi, dans ça qui semblait plus gros attaque russe lancée depuis quelques semaines. Aviation ukrainienne dit ou dit dans le drone russe t'es tiré sur région est, nord, sud et centrale Ukraine et puis après ça missile croisière et balistique t'es suivent. Agence Nouvelle Reuters fait connaître journaliste Ryan Evans, qui est membre équipe qui a couvert la guerre Ukraine, mourit et puis deux autres journalistes blessés dans une frappe russe qui fait dimanche contre un hôtel dans la ville Kramatorsk dans SPIA. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous connaissons deux gros guerres qui gagnent au niveau mondial, la Russie avec l'Ukraine et puis gagnent Israël avec et Hamas. Nous parlons qu'on y a dans la région Moyen-Orient, côté résident palestinien dans la ville Hamas, dans Gaza, qui était sauvé à cause d'opérations militaires israéliennes. Et bien, on commençait à retourner la caillou pendant que négociateurs pour accord campé tiré dans Gaza pour discuter sur une nouvelle proposition compromis pour faire une entente entre peuple israélien et Hamas. Eh bien, nous parlons Valérie Saint-Louis pour plus de détails. Résident palestinien dans la ville Hamad, dans le quartier Khan Yunis, dans Gaza, qui était sauvé, couru échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, a commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne a fini de faire retrait dans la zone. Équipe secours a ramassé cadavres en bas des combios et puis résident a été retourné, a constaté dommage et destruction qui fait dans la ville ça que Qatar a financé. Randa Samour, qui est un résident dans la ville Hamad, a dit que le tourné a joué une caille moitié détruite et puis il dit qu'il n'y a pas gagné aucune sécurité encore. Moi t'ai couru quitter ville là 10 fois et puis moi t'ai tourné depuis commencement la guerre. Juif yo t'ai arrêté Marim ça fait 6 mois et puis moi pas gagne aucune information sous lui. Merci bon Dieu. En tout cas, m'a fait longe bon Dieu. Moi ka vinn wè kay moyen. Moi joine kay moyen sans escalier. Moi joine moitié kay là qui allait. Mes amis, ou pas contre sous qui ça pour crier. Si c'est sous caillou, sous tête ou au soir sous déplacement yo. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a l'autre résident palestinien dans ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Moi-même, j'ai vu découvrir Kainouan qui t'a frappé, Kainou t'a bombardé. Papa m'a disparu pendant 5 jours dans ville Hamad et aujourd'hui, nous t'a recevoir nouvelles sous la mort.
Un autre résident palestinien dans ville Hamadla qui c'est Zoukair Al-Hindi, t'a parlé pour dire lui-même tout. Madinat Hamad fichi kan ahla minha fi al-alam kullo. Pas de rien dans le monde entier qui plus belle passé ville Hamad. Une belle ville. Regarde ça qui rive li. Gardez destruction yo, filmez destruction yo non, filmez ça qui rive li. Ville la fini d'y aller. Nous par contre qui côté pour nous rester, qui côté pour nous aller mes amis. Samedi que ça te passé là, négociateur pour accord campé tiré à libération otage dans Gaza, te discuté sur une nouvelle proposition compromis dans ville Caire dans pays Égypte. Il a cherché faire un pont entre peuple israélien à Hamas pendant que Nations Unies t'a rapporté que conditions humanitaires viennent plus graves. Et puis malnutrition a monté avec cas maladie polio que a découvert dans zone. Résident ville la fait connaître que depuis jeudi 22 août là, tant qu'Israéliens ont été avancés dans l'ouest, dans zone Al-Karara, dans Hamad, dans quartier Khan Younis, ça qui t'a poussé famille au sotina abrio ak en battantio, parfois en bas gros coup de zam que tank ak drone yo t'a tiré. N'a rappelé que attaque 7 octobre là t'a touyé 1200 moun sous bord par Israéliens. Autorité la santé palestinienne fait connaître attaque peuple Israël là lui-même t'a touyé plus passé 40 000 moun. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Sous même de ça, les États-Unis indiquent que Israël toujours en bas menace Iran. Iran qui même qui dit que l'Israël pour venger la mort et chef politique Hamas en parlant de Ismaël Haniyeh qui était tombé en bas balle dans Téhéran. Après Hezbollah libanais ou même yote ciblé et Israël à Kouaket et à Drone pendant week-end comme responsable pour assassinat et pour assassinat Israël sur un gros commandant dans Hezbollah. Vous souvenez ou à créole ou à suivre un programme dans la créole haïtien. Résident palestinien dans ville Hamad, dans quartier Khan Younis, dans Gaza, qui t'est sauvé, court échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, t'est commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne fin fait retrait dans zone. Équipe secouru t'est ramassé cadavre en bas des combios et puis résident t'est retourné, y t'est constaté dommage avec destruction qui fait dans ville ça, que Qatar a financé. Randa Samour, qui c'est un résident dans ville Hamad, t'est dit que le t'est tourné joint Kaili moitié détruit, et puis il dit qu'il n'y a pas gain aucune sécurité encore. Moi t'ai couru quitter ville là 10 fois et puis moi t'ai tourné depuis commencement la guerre. Juif yo t'ai arrêté Marie, ça fait 6 mois et puis moi pas gagné aucune information sous lui. Merci bon Dieu. En tout cas, m'a fait longe bon Dieu. Moi ka vinn wè kay moyen. Moi joine kay moyen sans escalier. Moi joine moitié kay là qui allait. Mes amis, ou pas contre sous qui ça pour crier. Si c'est sous caillou, sous tête ou au soir sous déplacement yo. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a un autre résident palestinien dans ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Sorti dans la région Moyen-Orient, n'a pas entré dans l'actualité et pas boy site aux États-Unis pour nous parler de élection candidat pour force pour poste vice-président parti républicain. J.D. Vance a déclaré dimanche 25 août là que l'IPAP imposait une interdiction fédérale sous question avortement aux États-Unis si lui-même et Donald Trump remportaient course pour la Maison Blanche. Pendant ce temps, ticket présidentiel démocrate là, Kamala Harris et Tim Walz, eh bien, ils ont continué encourager message sous droit reproduction Kaime Damio pendant les annoncer yon chiffre record dans don campagne là recevoir Jean-Robert Philippe. Candidat désigné pour poste vice-président parti républicain J.D. Vance, qui a participé dans l'émission Meet the Press sous chaîne télévision NBC, te pon question si oui ou non, li prend engagement pour ne pas imposer une interdiction nationale sous avortement s'il remporte l'élection en novembre. Non. Absolutely commit that. Li te répond, absolument, moi capable de prendre engagement ça. Réponse ça arrivé deux jours après ancien président Donald Trump t'a écrit sous plateforme réseau social IA True Social pour dire administration moyen a bon pour mesdames yo ak droit pour yo reproduire. Mais quelques républicains dans le Congrès ont encouragé pour avortement interdit dans tout le pays. Vance était en bas pression pour lui répondre à la question ça dans le programme NBC. Si oui ou non, Trump capable de poser veto sur un mode de législation comme ça s'il retournait dans la Maison Blanche. Candidat pour poste vice-président te répond. I think he would. He said that explicitly that he would. Moins quoi, il est capable. Il déclarait ça explicitement, il est capable.
Campagne présidentielle Harris Walsa avait dit pour dire droit à reproduction capable d'effacer sur l'administration Trump. Candidat désigné pour poste vice-président du Parti démocrate là, Tim Walz, a adressé ces questions pendant la dernière convention nationale du Parti démocrate là. And they will ban abortion across this country with or without Congress. Ils pourraient interdire l'avortement fait dans tout pays avec ou sans Congrès. En général, analyse de chanter louange pour succès convention nationale Parti démocrate là. Démocrates yo espéré la traduire comme un obstacle dans sondage yo. Campagne là annoncé dimanche 25 août là, li collecté 540 millions de dollars depuis jour yo té lancé campagne là. Certains indépendants Bernie Sanders exprimé optimiste à précaution course pour Maison Blanche vice-président Kamala Harris là clair. Senator Sanders, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, parlait pour dire. I think it's going to be a rough campaign. I think the vice president. Moi, quoi, c'est pour aller une campagne difficile. Moi, quoi, vice-président gagne bonne chance pour lui remporter la victoire. Certainement, il pourrait remporter plusieurs millions de votes populaires. Moi, quoi, il gagne grosse chance pour remporter l'élection dans un pile état qui est capable de décider le résultat de l'élection dans un camp ou bien dans l'autre. Sénateur républicain Tom Cotton, qui a participé dans le même programme ABC This Week, là, pas d'accord. L'a déclaré. Donald Trump est président en vain. Les Américains connaissent ça, t'es fait. Ils connaissent lui au courant, mode douleur, ils ont souffri pendant 4 dernières années sous l'administration Harris et Joe Biden. Non. Moi, quoi, peuple a paré pour retourner Donald Trump dans la Maison Blanche. Quand le Parti républicain avec le Parti démocrate là, planifié plusieurs rencontres populaires pour ce maintenant. Vice-président Harris avec Colin Steel a participé dans une tournée dans l'autobus dans l'État de Georgie mercredi. Trump, au départ, capable d'organiser une rencontre populaire dans l'État de Wisconsin jeudi, avec une autre rencontre dans l'État de Pennsylvanie vendredi. Veronica Balderas, Iglesias, te prépare pour ça, pour ça, la nouvelle voix de l'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, te traduit et adapté pour VOA Creole depuis l'État Maryland. Donc 2024 là c'est année électorale ici aux États-Unis, donc nous déjà dans fièvre électorale là côté quoi deux partis, deux principales partis pays là, ils ont même y a mené campagne surtout après dernière convention qui s'est faite là, ils s'est faite dans ville Chicago dans état Illinois côté que tu as participants qui sorti tout partout qui te viennent et prend part à convention ça et parmi pays gain Haïti. C'est comme ça Clarence Renoir qui c'est leader unir lui-même qui essaie joindre qui essaie de jouer un événement ça, yon source d'inspiration par rapport à pays d'Haïti, Clarence Renoir. Inspiration, c'est que pour démocratie à fort, tant qu'il faut aux États-Unis, parce qu'il y a des événements qui passent, que tu as chaviré expérience démocratique américaine dans tout. Pas besoin d'aller loin. Et fort parti politique, yon fort. Force parti politique là, il réside tout dans la capacité pour mobiliser les pour gagner des adhérents, pour gagner des membres, pour gagner des membres qui financent, mais aussi pour gagner des volontaires. Souvent, c'est trois éléments ça pour moi-même moi qui fait force démocratie. Alors, deux éléments ça principalement qui va faire force démocratie. C'est capacité pour gagner monde qui vient dans parti qui membre. Alors d'abord, regardez les capacités que parti a gagné lui-même pour rassembler des monde qui sont dans 50 états plus 96 pays étrangers pour venir là, venir garder toute bagaille ça. C'est une puissance économique fort qui mettait là. Et deuxièmement, et ou gen des volontaires. Donc des monde qui croient dans l'idée de démocratie, qui croient dans l'idée d'un parti politique à véhiculer qui vient porter coup de main là-dedans. Donc faut croire là-dedans. Donc faut qu'on mobilise monde, faut qu'on vendre l'idée pour monde venir faire ça. Et en plus de cela, c'est que ou gagner parti à capable ramasser, n'est pas capable dire et revendication monde yo, attente yo, espérance pour transformer yo dans politique publique qui va retourner vers mon nayon encore pour dire mais soit demandé mais ça vient nous retourner pour te baou mais changement que me pour te baou dans soit demandé dans la mesure du possible, il faut dire comme ça. Donc pour moi même c'est extrêmement intéressant pour aller venir ça, démocratie a pas un bagage qui en l'air mais qui y atterrit vraiment là vient dans le regarder réalité au cas toucher au cas toucher. Et deuxièmement, donc pour moi même son leçon extraordinaire pour me dire mais qui gens nous capables de faire la démocratie nous fonctionner pour venir renforcer
sans qu'on pas renforcer parti politique. Et c'est ça plus gros faiblesse démocratie dans le pays d'Haïti, c'est que parti politique yo faible, impuissant, yo pas capable faire rassemblement type de rassemblement ça. On pas parler dans dimension ça moi là, son bagage gigantesque. Mais faut qu'on rassemble moun, faut qu'on parle avec moun, faut qu'on vende moun l'idée, faut qu'on fait que moun ça contribue à faire fausse partie à tout quelque part. Donc nous pas arriver dans ce stade ça. Donc nous n'en encore on capable dire dans béaba démocratie on pas capable arriver vraiment dans gros lettre et dans démocratie qui fait que l'Oueli ou bon certaines frustrations quelque part ou dit ou pas croire qu'il va arriver dans dimension ça. Mais en même temps tout ouvrir l'espoir pour apprendre dans la mesure du possible, ça où est là. Et d'accord, dit Jacqueline, sans considération idéologique de il y a qu'un parti républicain, tous ces mêmes bagages là, où t'as pourrait en termes de machines et tout bagage. Mais nous vivons dans le parti démocrate là, c'est un dia qui invite nous, donc nous ouais, nous apprendre et nous penser nous capables peut-être à le faire des expériences en Haïti qui pour permettre démocratie après un projet Evrine, après j'arrête. Professeur Clarence Sounois, qui c'est leader unir, t'es parlé avec nous en marge convention nationale parti démocrate là qui t'a déroulé dans Chicago dans l'État Illinois. N'a pas pour nous et partager avant toute interview ça que nous t'ai avec côté que non seulement nous t'ai ouais question qui gain rapport avec convention mais t'ai ouais tout actualité politique là dans pays d'Haïti. L'autre point dans actualité a toujours soulevé au cœur l'obsuivi un programme dans langue créole haïtien mexicain ou mettez sous pied yo marche pour protester contre révision judiciaire président sortant Manuel López Obrador proposé. Marie-Luc Pierre. Membre la justice mexicaine et société civile là, te prend la rue dimanche 25 août là pour protester contre une réforme judiciaire qui soulevait en pile parole en pile président sortant Andrés Manuel López Obrador te proposé. Manifestants ont été rassemblés dans centre-ville Mexique avec drapeau nommé Juan Catio, et puis il a chanté, qui était accusé président, comme quoi il était gain intention effacer indépendance dans le système justice là. Officier judiciaire Carlos Rocha a exprimé sentiment vis-à-vis marche ça. Lo fundamental de esta marcha, diría yo, noyau marche là pour moi, avec ça qui fait les différents de l'autre monde, et ces travailleurs pouvoir judiciaire dans la fédération qui était organisé, moi assuré au gain un sentiment en mettant nous que gain un bagage dangereux qui a venu, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le système démocratique là en général. Réforme qui soulevait en pile parole en pile là, côté juge qui gagne parmi eux, juge ou suprême, t'as dû élu par vote populaire, c'est une grosse priorité pour López Obrador qui discutait que les poils aider combattre impunité à corruption. Pour juge Marie-Trini Juarez, c'est démocratie qui est à risque. Ce qui est en jeu ici, là, c'est démocratie dans le pays. Ça. C'est peut-être ça, société civile là, ici, là. Pouvoir exécutif là, qu'on est là, n'en met un seul monde. Bien que gain ministre. Mais fondamentalement, président Andrés Manuel López Obrador a pris une décision yo et livré justice qui dépend de partis politiques pour contrôler yo. Opposant réforme nan dit, élection populaire juge yo, t'a metté fin à carrière qui basée sous mérite yo et puis fait système judiciaire plus vulnérable avec influence qui a sorti de yo, tant qu'au parti politique ou soit même groupe crime organisé. Autorité électorale mexicaine, vendredi 23 août, a confirmé que parti qui sous pouvoir, parti Moreno à Calielio, pour gagner une super majorité de tienne chambre basse là, mais pour juste manquer une super majorité dans le Sénat, le nouveau mandat législatif a commencé dans le mois de septembre. Même point de vue, nouveau président élu Mexique là, Claudia Sheinbaum. Que yo voy a hacer aquí la pregunta de nuevo. Moi, je voulais demander encore, j'ai jamais été fait pendant la campagne, et puis nous t'es bien gagné ici, là, avec dans tout le pays, là. Moi, t'es qu'on demandé ça qui pis bon. Justice dans la Cour suprême, dans élu par Sénat République, là, ou soit par peuple, là. Dans le Mexique, qui dit peuple Mexique, c'est démocratie. Démocratie pour élu président, démocratie pour législateur, à pouvoir judiciaire tout, pour ces un pouvoir judiciaire dans le service peuple-là. Déclaration président élu mexicain, Claudia Sheinbaum. Marie-Luc Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luc Pierre. L'autre point dans l'actualité, on a prêté toujours dans la région Amérique latine. Et bien, dans Venezuela, il y a Edmundo González, qui est candidat parti et opposition. Et bien, il n'est pas allé dans la convocation que le paquet a fait le 28 juillet qui était passé. Et bien,
qu'on y a, les gens ont l'autre convocation encore pour demain matin. Et il faut dire que Edmundo González toujours crié que c'est lui qui remportait la victoire sous président Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui était joint une victoire à 52%. Voyons, donc toujours une discussion dans la question. Et je dis sans surprise, tant qu'en pile spécialiste deal, et bien, tribunal supérieur justice TSJ, et bien, il bail Nicolas Maduro vainqueur pendant ce temps tout. Et au niveau communauté internationale, toujours gagné une réaction d'épaiement sous victoire Nicolas Maduro qui a pris l'autre mandat. Et puis, dans le pays la France, garde à vue patron russe Telegram nan, en parlant de Pavel Durov en France, eh bien, il est prolongé. Eh bien, garde à vue ça, il est prolongé pour jusqu'à mercredi, donc après-demain. Donc, n'a pas su pour situation ça, pour et patron russe Telegram nan, en parlant de Pavel Durov. Et puis, dans l'année, ça a plus passé 132 monde qui mourit dans l'inondation dans le pays Soudan. Vous souvenez à Creole, actualité dans le pays d'Haïti, dans un petit moment. Merci d'être ou branché dans le moment. Nous voulons tout profiter, dit Jean-Robert Philippe, qui était en vacances. Bon retour. Mais nous n'avons pas besoin de dire bon retour parce que moi-même, moi j'étais toujours à travail. Jean-Robert était en vacances. Donc nous dit Jean-Robert Philippe. Bon retour ou sous VOA. Merci d'être toujours branché sous VOA Creole. N'a pas mettre depuis Washington DC. En Haïti, police nationale là, avec mission internationale, là, un BO se voit 20 machines blindées pour combattre gangame qui pas suspendre si mais l'intérêt dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. Environ 20 machines blindées transport troupes livrées à la police nationale d'Haïtien pendant le week-end. Machine SAO qui équipée de tourelles. C'est une commande gouvernement Ariel Henry a été fait dans le pays Émirats Arabes Unis dans fin l'année 2023. États-Unis, les mêmes tours, l'hypothèse soutien li pendant le bail de nouveaux blindés Max Pro qui équipait tout de tourelles. Équipement ça yo, yo remet à commandant mission multinationale stabilisation sécurité en Godfrey Utunga dans le cadre aide américaine yo. Commandant sud, l'armée américaine prévoit tout livraison avant longtemps 24 machines MRAP dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Machines blindées ça yo pral permettre renforcement capacité police nationale là à policiers kenyans qui présent dans pays d'Haïti. Objectif là c'est bay moyen qui nécessaire pour intensifier opération contre gang améo qui continue à causer troubles dans plusieurs quartiers dans capitale haïtienne. Pendant temps ça police nationale là li pa chomé dans une opération tête collée unité spécialisée PNH tako unité tactique anti gang groupe intervention PNH y arrivé éliminer plusieurs bandits pendant échange coup de zam dans localité Jasmin ak Echalotte nan Gressier nan sud capitale la. Police la rive saisi tout deux armes à feu pendant intervention. Police nationale d'Haïti sous direction Normil Rameau, directeur général la, dit les déterminer pour continuer bataille contre gang criminel yo. Objectif là c'est reprendre toute zone bandits occupée pour établir l'ordre avec la paix sur tout territoire national. Pendant week-end, Normil Rameau rencontrait partenaires internationaux dans Klessin pour discuter de renforcement capacité institution. Discussion yo techita sur collaboration entre police nationale, programme Haitian Citizenship Security Program et International Narcotic and Law Enforcement INL. J'ai force à montrer engagement communauté internationale là pour courir Haïti dans bataille contre insécurité et puis restaurer la paix en d'un pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Eh bien, gen l'autre sous poche du gouvernement, police nationale là qui fait connaître que gen l'autre matériel encore qui gen pour vine et débarquer dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, conseil présidentiel transition installé 8 sous 10 membres, comité pilotage conférence nationale là avec objectif 3 grandes missions pour retirer Haïti dans isolement socio-économique et politique lié. Yon reportage Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. Par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale. C'est par rapport à l'arrêté présidentiel ça que le président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils installé commencement week-end passé à membres différentes personnalités importantes qui constituaient comité pilotage conférence nationale en présence membres capitéo avec diverses autres personnalités importantes.
Comité pilotage, ça a composé à 10 citoyens, mais c'est 8 qui étaient présents dans la cérémonie d'installation. Hein. Et Nex Jean-Charles, qui joue le rôle président, ancien premier ministre, Joram Vixamar, Amari Joseph Noël, Antoine Louis, Nora Jean-François, Widlin Pierre, Gédéon Charles, et ancien ministre touriste, Christine Stephenson. Comité a gagné 3 grands chantiers pour exécuter d'après président Capitéa, ancien sénateur Edgar Liblanfis. Sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Edgar Liblanfis exhortait le comité pilotage là pour remettre un rapport sous révision constitution 3 mois après installation. 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la Constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la Conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Congrès et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Cependant, Gagnon, dirigeant organisation Droit Monde en Haïti, Agit pour Haïti, qui dit qu'il y a doute par rapport à la démarche, ça, à cause de problèmes, insécurité, pour qu'on résoudre. Qui dit conférence nationale, cela signifie que il y a un déplacement qui vient pour faire. Les conférenciers, pour y aller en province, pour y rencontrer moun, etc., etc., pour demander leur doléance, pour discuter avec les autorités, et etc., etc. Bah ouais, qui côté pour le passer pour faire? C'est un dossier que nous suivons de près. Où est-ce tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Eh ben n'a dit que grand point cap dominé actualité a gain d'abord et en pile activité au niveau de partis et côté que deux principales partis dans pays a que même cap organiser campagne électorale, c'est un coup de fou en pile analyse, c'est un coup qui très serré. Par exemple, candidat pour poste vice-président parti républicain, en parlant de J.D. Vance, eh ben, il déclarait que dimanche 25 août là, que l'IPAP imposait aucune interdiction fédérale sous avortement aux États-Unis si lui-même avec Donald Trump y a passé. Donc, tu connais que c'est un bagaille qui caractérise parti républicain qui c'est question et interdiction avortement, alors que parti démocrate là lui-même c'est ça il est en anglais pro choice, yo même yo dit que moun nan gen droit choisi selon situation pour choisir faire avortement ou bien pas. Donc c'est un pile activité qu'a fait entre deux partis yo, et semaine qui s'est passée là dans Chicago dans état Illinois, c'était convention parti et démocrate là qui finit et qu'on y a gros événement qui pral gagner yo moun ka attend yo, c'est que en dehors de toute sortie qui pral fait et en termes de campagne électorale, eh bien pral gagner ça ou les débats entre et candidats. Donc il y a une question que n'a pas supposé. Et puis dans guerre la Russie, eh ben n'a dit que au moins 4 moun qui mouri, yon dizaine l'autre blessé après la Russie lapide Ukraine en bas missile ak drone qui sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et nous saluer Valerio qui était là avec Mounio pendant ce maintenant moi il bat là bagatelle rencontre avec elle. Donc on dit Valerio bon travail comme d'habitude, et nous saluer toutes amis qui ont même été choisi brancher sous VOA Creole qu'on y a là. The Great Stalin, merci en pile, et puis gentil Augustin Junior, c'est lui qui est là, et Naptan Abela demain. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lembélizer, à demain. Bon, et on nous continue à garder, faire des débats, ok, garder avec Zamio. Ensemble, prenons gain comme information.
arrangez-nous parce que nous pourrons parler. Nous pourrons garder gros coup de filet ça que actuel commissaire gouvernement au Kailan, Joubert Amazan, fait dans Saint-Jean-du-Sud, dans Okaï. Dans le département sud, pardon, vous me dites comme ça. Côté que vous mettez en bas code, chef gang, un certain de gang Timanchette, un certain de Judelin, alias quand sont faits, monsieur qui t'a dirigé groupe gang ça, qui a opéré dans Saint-Jean-du-Sud, mais semble là, la police et la justice dans le département sud-péryen, yo mené opération et yo mette tout ça dans une situation très difficile. Nous prenons le garder ça. Nous prenons le garder tout. Jodi an, bataille qui déclenche entre population gros monde qui dans la Tibonite et bandi kokoat sans race qui opéré dans zone ça. Bandi yo fait massacre mais population li même bon côté partout bay en pile nan nek yo bois calé dans gros monde. Et mon département la Tibonite, jodi an, yo mobilisé plus que jamais. Ok? Yo mobilisé plus que jamais. Et yo dit yo que, depuis que directeur départemental police la Tibonite là, monsieur Jean-Louis Paul Ménard, bay au moyen pour bay la police là, dans départ. Alors, yo mande avec chaîne commande la police là, dans plus haut niveau. Et surtout yo dit avec série blindé cap vini là yo pour la police et pour officier kenyan yo mon yo dit comme ça. OK, mon yo dit comme ça que autorité yo bay au moins à la rigueur 1 2 3 4 chablende. Nan chablende ki antre la yo. OK? Lap aide avec policier UTAG. Différents unités spécialisées yo. Nan balat Tibonite pi yo capable mener de opération. Et population dans la Tibonite dit clairement que les mobiliser, les motiver pour que les accompagner la police dans le département pour déchouquer, pour démanteler, pour démantibiler tout bandit. Toute forme bandit, quelque chose qu'on te bandit à sa patte, ou te bandit à veste. OK? Depuis qu'on a pas de problème. OK? Dans le département Bala Tibonite, yo mobilisé, yo motivé, pi yo capable aider
la police nan nan bataille contre question insécurité violence qui gagne en da pays. OK. Mais qu'on a ça pour nous comprendre et qu'on est. Est-ce que focus dans nos états d'assurance, vous mettez plus sous Port-au-Prince? Vous mettez sous les portes 11 à 14 communes qui, je dis en là, en bas contrôle n'est armé. C'est vrai, dans l'état d'urgence que l'autorité renouvelée, dans l'état d'urgence que l'autorité renouvelée pour moi encore, la donne qui vient ajouter département centre, département NIP, et qui vient ajouter commune Pilate avec Plaisance, alors tu as déjà gagné département de Tibonite, et département l'Ouest qui a la donne 11 communes qui sous contrôle mandi armé. OK? Yeah. Qui donc? OK. Jodi an. Yeah. Jodi an. Jodi an. Oui. Jodian. N'a dit que mon département la Tibonite, dans Bala Tibonite, yo dit que yo paré pour yo déclencher opération Bois Calé dans Bala Tibonite. Yo di yo paré pour yo déclencher opération Bois Calé dans Bala Tibonite mais avec la police nationale d'Haïti. OK? Yeah. Avec la police nationale d'Haïti. C'est comme ça. Et je dis, l'important pour nous garder ça. Ou est tout ça qu'a dit là, rencontre PM n'a fait, installation conseil n'a fait, installation et PM n'a fait, visite PM n'a fait, chita parler PM n'a fait, chita parler conseil n'a fait. Tout ça est important. C'est bien samedi, on s'en mette à nous. Tout ça yo important. Mais ça plus important dans le moment, lycée résoudre question sécurité. Est-ce que vous comprenez? Tout ça yo important. Mais ça plus important dans le moment, OK? Dans tout ça outendé que ni PM Gariconi ni conseil présidentiel yo a fait là, tout ça qui est important là, c'est dégager au coumet Jean-Jacques et rive établi sécurité en pays. OK? Et moi-même, Baba nous menti. Et je me laisse une bagarre à Jean-Lyon. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Et moi, j'étais croué que ça gagne là comme insécurité en Haïti. Hein? La résoudre. Yeah. Yeah. OK?
Mais la prison. Oui. La prison. Yeah. Yeah. Exactement. La résoud et ou met quoi me souvler n'a joint une solution. Yeah. La résoud n'a joint une solution. Je dis à Baba non menti. Criminalité hein, il est allé trop loin. Oui. Criminalité hein, niveau violence, volume insécurité hein, il est allé trop loin. OK? Ah oui. Li aller trop loin. Yeah. OK. Yeah. Yeah. Je dis hein, m'a dit non que ça gien la comme insécurité hein l'a capable résoudre. Yeah. Ça gien la comme insécurité hein l'a capable résoudre. Même pas dit un bon matin non. M'pas dit dans 2 3 4 mois non. L'a prend des mois, l'a prend des jours. Et pour nous dire qu'on a éradiqué le net, ça prend des années. Ça me clé sous les. Mais qu'on a ça de besoin. Nous besoin que des signaux qui commencent à voyer. Nous besoin que ensemble signaux qui commencent à voyer. Voyer pour que nous soyons capables de commencer à sentir que gen une volonté réelle la caille autorité nou yo quel que soit le conseil présidentiel quel que soit le gars connu comme premier ministre avec gouvernement là l'ité DG Ramon Omen avec chaîne commandant de police là l'ité Derby Geoffrey c'est pas trop guerrier pardon comme nouveau chef de la médaille ici avec tout au état-major la meilleure et en support avec mission multinationale soutien sécurité haïtien nous besoin que yo commencer voye sial c'est vrai que population haïtienne non li rive un côté li dit que le pas capable encore yeah li rive un côté li dit le pas ca résister encore yeah l'idil pas qu'à résister encore. Moi comprends ni. OK. OK. Yeah. Ça veut dire jodi hein. Oui.
jodi an. Jodi an. Qui semble moun yo comprendre? J'aime de jodil. Insécurité an. Mbabral dit que son insécurité d'État, insécurité politique. D'ailleurs, c'est les Jovenel de là, ou de qu'on a des qualificatifs d'insécurité. Yeah. C'est les Jovenel Moïse de là, ou de qu'on a des tout qualificatifs que d'insécurité. Acteurs politiques qui ont son insécurité d'État, ça veut dire que l'État fait le complice que. Il n'y a pas fait rien de sérieux dans ça qui est comme insécurité. Hein? Et l'État à l'époque, Jovenel Moïse a dirigé comme président. L'État faut qu'on ait que insécurité à son insécurité politique. C'est des acteurs politiques dans l'opposition qui ont instrumentalisé, qui ont mis la trouble en un pays hein? Pour capable de déstabiliser et voler l'aller. Et une songée. OK? Et une songée. En pile manifestation que tu confirmes. Je veux qu'on dernière manifestation que tu fait dans Matissan. Depuis ces nèg exam yo te prend la rue. Laisse ça travailler comme manifestation position c'est madobe. Et n'oubliez tout. Qui rapport qui cocodaille en pile nek armé en pile politicien qui passe sous plusieurs pouvoirs qui cocodaille yo alliance yo yo gen avec des nek armé mba ko c'est moi capable prendre nous ça OK oui mba ko c'est moi capable prendre nous ça. Côté que, avec une manifestation qui t'a pris le fait, non, rentrer sur le pays, hein? Côté que, eh bien, t'es gen un mariage, t'es gen une fusion entre, selon ça que t'es aidé, que tout le monde a regardé, un mariage, une fusion entre deux nèg armés. Et de acteurs politiques. Nous changez ça, va, oui. Et je dis, côté nèg qui t'a dit, allez, Jovenel Moïse, allez, y a pris le contrôle sécurité pays. Allez, Jovenel Moïse, allez, que ça paye à qu'on n'est pas qu'on est encore, parce que opposition, pral remettre pays d'Haïti sous progrès et développement. C'est ça que tu dis. Pas vrai? C'est ça que tu dis. Et je dis, côté Nexayo, côté sécurité, tu dis, en pile nan yo, soit qui quitte pays, ou fin écrasé parce que ou fin arrangé, comploté. Jean que Jovenel Moïse mourir, yo tellement te gemé ou trapé dans ça. Yo allé? OK? Yo allé? Ça qui t'est payé a ou dire moins que ça qui efface tête yo sous sa politique haïtienne. Mais yo c'est de gros consultants dans en pile gros bois l'état. OK? Yo c'est de gros consultants en pile gros bois l'état. Et c'est d'accord ça. Mais on t'a dit allez, Jovenel Moïse, allez. Et après, pour contrôler le pays. Côté Steven Benoît. André Michel lui-même, ça tape coupé raché dans Ariel Henry. Ça faut que la broumé là, demande avec CARICOM pour que le capable fait Ariel Henry vienne tourner dans le pays. Jusque là, Ariel Henry, c'est haïtien. Bah, y a un problème pour tourner en Haïti. Mais est-ce que Ariel te travaille pour tourner en Haïti en tout? Est-ce
est-ce que Ariel Henry te travaille pour le retourner en Haïti? Faut regarder ça. Est-ce que Ariel te travaille pour le tourner en Haïti? Et s'il tourne tout, Raymond Cap dit, c'est occasion pour que pays, pour que société, pour que la justice haïtienne tende Ariel Henry. Tende Ariel Henry, de tout ça reproché, de tout ça dit, okay? De tout ça reproché, de tout ça dit, par rapport avec gros temps que le fait pays d'Haïti. Je dis, peuple haïtien, je dis, société haïtienne, li besoin qu'on ait. Li besoin que en pile nan acteur nou yo. En pile nan concerné nou yo. OK? Pour que ensemble yo capable comprendre ensemble capable dit ça crivé là. OK, je dis ça me l'ai qu'on est, je dis à ça que me l'ai qu'on est. Nous avons une insécurité qui structure là dans le pays. OK. OK. Nèg yo strict tiré, nèg yo poté ba nous, nèg yo ba nous sangé la comme insécurité. Alors l'aime dit nèg femme garçon. Femme garçon. Qui yo même? Femme garçon qui yo même? Nan classe politique haïtienne non, qui yo même nan secteur, le secteur privé hein, OK, nan droits humains, OK, nan droits humains, nan société civile. Okay. Non, diaspora tout pour n'oublier. Yo tout ensemble. Yo d'accord. Pour écraser pays ça. Yo tout ensemble. Accepter pour écraser Haïti dans intérêt yo. Et je dis hein, mais Haïti ça, li tourne un monstre. Mais Haïti ça, li tourne un dépôt de quoi. Mais Haïti ça, li tourne un désert. Côté que même pour petit li, pas qu'à vivre en Haïti ça. Même pour petit li, oui, pas qu'à vivre. En Haïti ça. Et je dis à ma propre nos bagailles que c'est même nous-mêmes comme haïtiens encore qui mettait Haïti dans ça là. Yeah. C'est même nous-mêmes encore. Non, voulez servir étranger. Non, voulez servir communauté occidentale. Non, vle servi l'Occident. Oui.
OK? Nan vle servi l'Occident. Nan vle bay l'Occident tout sa l bezwen. Au détriment de peuple haïtien. Et voilà jodi an. Mes côtés ça mettait non. Voilà jodi an. Mais qui ça qui rivé. Et m'le que ça clair pour nous. OK? Yeah. M'le ça clair pour nous. Je dis à m'a dit clair. L'enfer ya faut faire tout monde qui responsable. Qui mette et qui fait Haïti tourner l'enfer ça en fait que Haïti ça que tout monde capable vivre la donne et moun qui t'est responsable moun qui t'est responsable qui te gen responsabilité yo nan changer pays ça moun ki te genyen mission pou yo te fè pays ça avancer yeah fè pays ça avancer. Le pays s'est délivré. Mais que moun sa aujourd'hui, que n'est capable de mande yo qui sa ou fait. M'songe Jean-Claude Duvalier, l'elte sorti en exil. Le grand baga que l'elte dit, qu'avez-vous fait de mon pays? Qui sa nous fait avec pays m'nan? Je dis un dit même bagal. Qui sa politicien rado calé? Qui sa moun ki nou rele oligat corrompu yo? OK? Oui. Qui sa yo fait avec Haïti? Nous pas même besoin mandé yo parce que ça yo fait avec Haïtien Noël déjà. Parce que yo fait Haïti a tourné un jungle. Yo fait Haïti a tourné un dépotoir. Yo fait Haïtien tourné sale là. OK. Fait une salie là. Et je dis hein. Yo connais. Yo qui États-Unis pour aller. Yo connais. Yo qui Canada pour aller cacher. Ak tout madame petite yo. Yo konnen. Yo ke la France pou al kache. Yo ke se demen pou al kache. Ekip pi pre yo. De li clair. Je di a mande kote l'Estival Terrier. Est-ce que l'État retourne en Haïti ou pas, n'a pas mais n'a pas songé. L'élite malade récemment, quand tu étais là avec lui, tu étais là avec elle, c'est demain.
Je dis, c'est ça que m'a dit. Ok? Gardez niveau, responsabilité. Yon sans pouvoir. Yon sans régime. De moun qui te passé dans l'État. Soit comme président, comme premier ministre, comme ministre, à un poste ou bien à un autre. Gardez Jean, n'est-ce pas au cas des pays. Je ne dis pas seulement dit Ariel passe le crasé pays. Ariel, oui, parce que Ariel passe. Ariel a des années. Ariel, c'est un élément de la classe politique traditionnelle. C'est même Jean-Jacques qui a dit Ariel passe au crasé pays. Pas de caille pour nous rete. Pas de pied bois pour nous reposer. Oui, soleil la chaud. Mais je dis. Qui dit Ariel, lui représente la classe politique ça? Qui dit Ariel, lui représente la classe politique là? Lui représente Tchoul. Ah oui. Lui représente Tchoul, secteur privé à faire ici? Yeah. Lui représente Tchoul. C'est que tu privé à faire ici. Il représente reste avec communauté occidentale là. OK? Donc je dis hein, ça que les moun yo comprenn que si vraiment nous voulons faire un autre pays, si vraiment nous pour l'autre pays, il y a des moun, il y a des secteurs, il y a des acteurs, il y a des personnages, il y a des leaders, ce sont les leaders politiques, des moun dans le secteur privé, droits humains, société civile, ok? Société civile, droits humains. Communauté occidentale, diaspora, d'accord avec nous, des gens, faut nous débarrasser de eux. Ah oui. Des gens, faut nous débarrasser de eux. Parce que pendant 30 dernières années, ça yo, c'est eux-mêmes. Yo là. OK? 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 C'est eux-mêmes. Qui la cause que pays
trouvé dans situation ça. Et puis comme ça belle là, il y a paré tête là encore. OK. Il y a paré tête là encore. Pour être capable de retourner vin prendre petit reste là vin sous cette sima qui était pendant à continuer fait capital économique yo y a continuer faire capital social yo et pourtant nous même fait carré dans misère dans souffrance dans tracas dans calamité moi même maman des peuple haïtien qui ça le comprendre qui ça le veut de situation la vivre là de situation la endurer là qui ça le veut qui ça le comprendre qui ça le besoin parce que destin pays ça avenir pays ça li nan men nous même comme haïtiens oui avenir pays ça destin pays ça li nan men nous même comme haïtiens oui li nan men nous même comme haïtiens et je dis hein quel que soit couleur peau quel que soit rang social ou quel que soit niveau intellectuel ou de vous reconnaître ou c'est haïtien soit ou vivre en Haïti ou dis-moi ce que ou vivre à l'étranger ou gen obligation si que ou vle yon l'autre Haïti pour engager ou dans l'autre Haïti ça et dans question sécurité n'apprend que environ 150 soldats bahaméens pays Bahamas censé prêt là censé paré là pour déployer en Haïti pour rejoindre mission ça mission multinationale soutien sécurité à Haïti qui déjà gagné 400 officiers kenyans qui là et qui déjà recevoir un ensemble de matériel et c'est ça ministre affaires étrangères pays Bahamas non monsieur Fred Michel fait qu'on est dimanche qui était 25 d'août 2024 là et chancelier pays Bahamas non dit poko ka bay date déploiement soldats bahamien yo mais yo gen demande pour intégrer force nan plus rapide que possible pour me répéter ministre des affaires étrangères pays Canada est-ce que la police nationale d'Haïti est-ce que mission hein? Est-ce que tout ensemble attend que yo gen un effectif adéquat yo gen un effectif qui répond et yo gen de matériel adéquat qui vous ta permettre que yo commencer mener opération par contre c'est ça attend
Mais les que nous regardons à travers un ensemble de vidéos, les que nous regardons à travers un ensemble d'images, nous voyons que gagner ça n'est les mobilisation sérieuse, ok, qu'a fait bon côté force de l'audio, ok, bon côté force de l'audio, bon côté autorité concernée, pour que Jean Ote dit là, Jean que PM ga ekoni te dit là, l'État a reprend contrôle pays hein, kay en kay, quartier en quartier, ville par ville. Et Jean que DG Ramon Amil te dit là, là où Zeta et Banda, tout autant que soleil pour qu'on lève. Ah oui? Et vous êtes même allé plus loin pour vous te dire. Puis vous êtes allé plus loin pour vous te dire. Ok? Puis vous êtes allé plus loin pour vous te dire. Quand elle te dit, à la belle sa ta belle, si pas de gen bouquet nan kouri. Et Jimmy Cherizier alias Barbecue. Nous étions même fait musique li. Ok. Nous étions même fait musique li pour le te dit. Te go premier PM. Li bouquet tellement la couri. Yeah. Te go premier PM. Ki bouquet tellement la couri. Pour monter comme si barbecue. Li même. Il t'a passé. Gaye koni nan rans. Mais je dis en là, en PM Garikouni, DG Ramon Amil, PM Garikouni, DG Ramon Amil, conseil présidentiel, qui est et bandi barbecue, bandi vivant ensemble yo? Qui est nan jou pral vini la yo? Qui pral nan kouri? Yeah. Qui est nan jou pral vini la yo? Qui pral nan bon kouri? Mais moi m certain, c'est bandi ou pral nan kouri. Moi m certain, c'est criminel yo. Jouen la police frappe nan kresye yon. Samedi yon, côté policier présumé bandit tombé. Policier présumé bandit tombé. Ouais. Moi-même certain. OK. Je dis hein, moi-même moi certain. Que bandi sa yo l'état et li kap guérison sur yo, c'est l'état doit guérison sur yo, c'est l'état pa aucun contact travers le monde. OK, pa aucun côté dans monde là que l'État couille pour bandi, non. C'est bandi pour courir pour autorité. C'est
c'est bandit pour aller cacher pour autorité. Pas de débat sur ça. Pas de débat sur ça. C'est bandit pour aller cacher pour autorité. Vous comprenez? C'est bandit que depuis le temps de l'État frappé que li doué al cacher pour l'État. Un débat sur ça, non? Pas de débat sur ça. Et je dis que chaque monde comprenne ça. Je dis que chaque zami comprenne ça. Ouais, je dis à même Jean Matéli dans courrier. Même Jean Matéli te slogan que yo pas cabaret là. Mais je dis à mes autorités yo dans États-Unis à barrer Matéli. Et ça m'a dit, nous sommes certains, nous croyons là-dedans. Matéli prend le coup. Matéli a pris le coup. Matéli déjà commencé le coup, oui. Mais Matéli prend le coup, pire raide, dans le jour qui est venu là. Parce que jusqu'à présent, la question est posée, qui côté Matéli? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Est-ce qu'il est en Haïti? Est-ce qu'il est rentré à Haïti? Matéli, à travers Diaz de suite, Miki, il n'y a aucune balle qu'il a joué là. Il a joué balle dans New York, à la veille, question les bordées. Eh bien, autorité dans la ville de New York, il prend décision pour demander avec promoteur balle ça pour camper, causer Matéli, suite Miki pour aller jouer. Il a demandé ça, ok? Il a demandé pour camper, causer Matéli prêt à jouer balle ça. OK? Parce que yo dit là question balle Matéli ça bagala hein. Yo pas accepter. OK? OK? Avait dit jeudi hein. Jeudi hein. OK. Jodi. M'vle que chaque monde comprenne. OK. OK. M'vle chaque monde comprenne. Yeah. M'vle chaque monde comprenne que si pays d'Haïti carbe comme ça, classe politique là, il est responsable des situations hein, et n'a demandé que chaque secteur, chaque acteur prenne engagement yo, prenne responsabilité yo dans sa Haïti qu'on est là. Merci tout le monde, n'a croisé dans émission Calfou Vérité. Voler. Hein? Gampil voler dans pays. Oh, pays c'est chat seulement mené. C'est chat seulement que pays, attendez. Pour qu'il y ait aucun vacabon qui dit ça. Ça la casse de bon chat. Même moi-même sorti chat. C'est ou pourquoi ouais sanction. Pourquoi ouais sanction. Ou pourquoi ouais sanction. Vous avez un capel lobby à payer avocat ou pour pas commander en bas pour pas mettre théorie. Voler. Hein? Gampil voler dans le pays. Oh, pays, c'est chat seulement mené. C'est chat seulement que pays, attendez. Pour qu'il y ait aucun vacabon qui dit ça, ça la casse de bon chat. Même moi-même, je suis chat. C'est ça. Merci, Obi.
Désir, ça c'est Jecteur Anakassis lui-même, qui c'est un sénateur. On a vu sous ça, oui. On a vu sous détail sur ça, ça c'est Anakassis, Jecteur qui a parlé là. Et entre-temps, Désir Venesse, nous allons venir avec l'autre détail, parce que émission jeudi, hein, émission 4 pour vérité ça, Désir, nous allons dire pile cause et la donne. Mais entre-temps, on nous permet que Zamio, nous allons venir avec un pile information qui prend vraiment et intéressant que Zamio prend le connaît. Je te dis, sous dossier Matéli et sous dossier. Et l'autre information encore. Désir gagné Haïti Channel Network qui lui-même ba information ça. Et m'a dit le comme ça, sanctionné par États-Unis, ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur qui t'a semblé quitter et États-Unis qui t'a semblé bien dit quitter États-Unis, État Floride et semblé direction Martelly. L'Italie part à l'autre côté que Haïti. C'est un premier élément d'information. Mais, gagne question qu'a posé. Est-ce que vraiment que ancien président Matéli, que l'équité États-Unis vraiment? Ou dis-moi, est-ce que le toujours États-Unis? Et s'il t'a quitté États-Unis, qui côté l'allé vraiment? Est-ce que c'est Haïti l'allé? Est-ce que c'est dans l'antique l'allé? Et s'il toujours États-Unis, est-ce que c'est dans l'État Floride que les que en pile l'information que tu as fait qu'on est que c'est dans l'État Floride que il t'a eu? Bien que selon ça qu'a dit que ancien chef d'État monsieur qui problème sérieusement Désir Venesse. Il a dit que c'est nous capable dit OFAC qui lui même c'est une entité dans pays États-Unis n'a songé qui te prend sanction contre ancien chef l'État le mardi 20 août 2024 là et au reproché Matéli pour question et corruption et trafic de drogue et selon en pile média en Haïti quoi à l'étranger mais c'est ça au reproché avec ancien chef l'État qui c'est Michel Joseph Martelly que nous prenons le cadet et nous prenons avancer avec des détails sur ça. L'autre information Désir Venesse concernant est ancien président Michel Joseph Martelly. Donc on est bien, c'est qu'il y a un pile balle qui suite mi qui était affiché pendant le week-end qui a venu là dans le pays États-Unis. En pile balle qui suite mi qui t'a joué. Et qui a un pile balle gagné tout, les bordés dans New York que semblait Martelly t'a pris joué. Mais n'apprendre que, eh bien, suite Mickey, pour une énième fois, eh bien, ensemble de promoteurs, ensemble de producteurs, qui ont même te prend, qui te des affiches avec un surprise, avec suite Mickey, pas Matéli, non? Déjà suite Mickey, que Matéli lui-même, que lycée on a responsable, non? Eh bien, ensemble de promoteurs, ça y est, ensemble de, et moun kap produit, kap réalise ensemble de bal, ça y est, et semble des Ebenes, eh bien, yo ta annulé ensemble de performances, ensemble de balles que Matéli t'a qui voulait jouer pendant week-end cap vini là. Eh bien suite Mickey, eh bien nous connaît bien. Dans dimanche cap qui pour venir cap 1er septembre 2024 là. Dans occasion week-end Labor Day dans États-Unis côté que monsieur t'a qui voulait jouer dans New Jersey, semblait que yo annulé pour que suite Mickey pas jouer dans Labor Day et l'autre affiche que il t'a gagné. Et qui a plus l'autre côté encore, en plus l'autre rendez-vous que Matéli t'a gagné, semblait que tout ça a semblé yo annulé pour éviter un ensemble de situations à cause question mais sanctions que le département de Trésor États-Unis pour contre ancien chef de l'État Désir Venesse. Désir, dans la question de la police nationale d'Haïti, laissez-moi dire avec Zami et nous. On va venir avec un article que Washington Post lui-même que lui mettait dehors. Et nous te mettait dehors tout de suite après, ça n'était pas comme sanction. Eh bien, Désir, après opération que agent UTAG, agent SWATIM, qui ont été menés dans le Gressier pendant le week-end, ça, gagné DG la police, non? Qui c'est M. Rameau Normil. Rameau Normil dit que li pa baisse bras, li pa bay vague, et mobilisé avec toute équipe li. Nan ou comme la police, non? Avec gouvernement que li la donne, avec Kony comme premier ministre, non? Avec conseil présidentiel, yo, DG Rameau Normil, monsieur dit que pa gen baisse bras, pas qui fait bac, mais dans l'action bandit. Et déjà, mon ami, monsieur dit que yo déterminé
pour yo contrecarrer action gang criminel yo. Objectif yo, c'est récupérer toute zone que bandi yo occupé. Et ben pour que la paix capable rétablir en dedans paysan pour me répéter et pour me citer DGA et la police Rameau Normil Désir Venesse. Et n'a dit gagné chef et mission en Haïti qui c'est Godfrey Otunge. Monsieur dit clairement que jou bandi yo compté selon chef mission Kenya en pays d'Haïtien monsieur Godfrey Otunge. Monsieur dit c'est jou gang yo cap compté yo doué suspend tout mati peuple haïtien. Il fait déclaration ça vendredi 23 d'août non dans moment que t'a recevoir yo équipe matériel Max Pro avec tout RL côté que pour amener des opérations pour river démanteler bandi gang en dans paysan des Ivenes. La situation de situation pour le pays d'Haïti dans ce qui concerne les questions de sécurité, divers secteurs et acteurs qui impliquent, qui ont responsabilité dans ça, ils continuent à prendre position par eux, qui permettent que la police ou bien exiger la police comme une acte clé, et même gens avec Silao qui renforce l'armée d'Haïti pour prendre des dispositions nécessaires dans quatre coins géographiques pays. Tant que Jean-Premier ministre Dr. Gary Conille pour mettre pour arranger, pour permettre que force l'armée d'Haïti ait ensemble matériel adéquat et qui permettre que l'armée ait réellement utile le pays d'Haïti dans le cadre de la mission que vous gagnez, qui c'est protéger le territoire et permettre tout de rentrer comme des professionnels l'armée qui fait le premier ministre promettre qu'elle va le faire et centre national d'équipement qui connaît en pile et corruption faite dans l'institution. Ça, nous avons parlé des CNE, eh bien, il va le permettre qu'elle fait un seul avec et l'armée d'Haïti. Et après, si il va le gagner pour suite, ensemble, les gens qui travaillent dans CNE, il va le gagner pour Antonio, soit ils restent comme des employés civils, si ils gagnent qui pour dépasser l'âge pour rentrer dans l'armée comme des soldats, eh bien, ils vont rentrer dans l'armée comme soldats. En plus, le monde fait quoi que ça va le permettre d'un groupe marché gonflé entre conseil présidentiel, transition avec premier ministre et Gary Conille, tout ça, et en pile le monde a pensé d'autre regarder et redétendre qui décision qui peut arriver prendre. Tant que j'en regarde sous Michel Joseph Martelly, depuis après sanction, qui pratiquement kembe un bon parti dans l'actualité. Michel Joseph Martelly réellement tourmenté les personnes. La caille commence à bailler Michel Joseph Martelly et ti machoué Marie. Parce que là, il veut comprendre. Madame ak petite, pratique pendant déplacement yo qui ont été fait ensemble qui générer des coûts en économie l'argent surtout sous compte en banque yo gagné réo pas gagné accès avec ensemble compte en banque si là yo et même les personnes les commencer causer gros problème dans famille et c'est ta raison qui t'a fait Michel Joseph Martelly décider déplacer sans personne pas connaît qui côté le fait pour d'ailleurs il va déplacer avec famille les personnes et amis internautes kounya en pile aspect à questionner sous point ça. Qui ça fait après sanction département trésor les États-Unis prend contre Michel Joseph Martelly les possibilités pour faire déplacement à destination anonyme sans personne pas connaît pour certains Michel Joseph Martelly t'a dû on est qui sous contrôle tel quel que soit côté le mettre pied autorité américaine t'a dû connaît même si là qui en Haïti si peut-être que t'a goumé pour être un pays qui normal. La justice haïtienne te doit saisir dossier et les États-Unis pas de prendre trop de temps pour te informer la justice haïtienne qui ça dossier est réellement qui permet que prenne sanction contre Michel Joseph Martelly et même des gros accusations qu'il y a avec question de drogue parce que sur les drogues cocaïne c'est parti bagarre petit qu'il y est en dedans pays ça et bien les on est ou gain accusation ça au sous dos et c'est mettre parce que tout le monde connaît Michel Joseph Martelly li réside et le passeport américain, nous t'a qu'a dit, c'est un citizen, c'est un privilégié des Américains qui te vient occuper poste à pouvoir 2011-2016 dans le pays d'Haïti. À part de ça, des situations, tout le monde constate pays a totalement crasé sur le fond de programme banditisme légal. Jean-Hector Anacassis t'a déjà annoncé, il dit que des nègres qui veulent comprendre qu'il y a une protection, il y a un avocat pour l'argent. Non, l'idée pour qu'il protège, pour pas prendre sanction. Quand yo, Jean-Hector Anacassis va parler de l'autre monde, de cette personne. Il t'a parlé de Michel Joseph Martelly. Eh bien, voilà. Vérité à blaye. Département trésor prend. Le Canada prend. Kounia, qui est-ce? En pile, on va prétendre qui vous prend sanction contre Michel Joseph Martelly. C'est le gouvernement haïtien. La justice haïtienne. Puis, gros sanction, c'est Haïti qui prend contre Michel Joseph Martelly. Parce que, ensemble, accusation qu'elle gagne, qui est
qui bon li fait infraction, c'est en Haïti. C'est vrai, li violer des lois, OK? Qui garder avec ça qui pour avec et convention qui garder ensemble, OK? C'est des infractions transnationales et internationales. Je permets que les États-Unis, communauté internationale, prennent des décisions. Mais qu'on y a nous-mêmes en Haïti, ils reviennent des droits comme pays souverain pour prendre des décisions par nous, pour exiger autorité américaine. Si c'est menti, si vous faites sous Michel Joseph Martelly, laissez-y avoir dédommagé ancien président, parce que c'est l'image de tout Haïtien en général que les États-Unis arrangent, attaquent là. Si c'est à menti, il fait sous Michel Joseph Martelly. Parce que c'était ancien président de la République, bon, même Jean Sylvain Gardé de la Kille du tout. Ministère de la culture, tu as posé des questions tout. Comment faire dans ce secteur que l'a dirigé? Bien, on sentait et vedette, yon superstar qui pratiquement gagne non capacité dans ce qu'il y a avec question de drogue. Et Kounia, il a déclaré le personnel non grata dans plusieurs states, États-Unis d'Amérique. Soirée qui était programmée avec Suite Mickey, que Michel Joseph Martelly se chantait et principal chantait vedette là-dedans, il n'y a pas qu'à pointer sur stage pour l'honorer ensemble contre ça. Ça veut dire staff management et Suite Mickey pral un gros problème. Yo pral la crise économique, en pile nèg pral la chômage. On est tant que Jojo Loquin, on est tant que Nelson, tout nèg ça yo, groupe bandit légal yo, tout nèg ça pral la gros couri dans la République de Stetson. Si ça veut dire d'autres font petit coup tête dans cap haïtien, songez te gen une information de chita dans cap haïtien par rapport avec visite et premier ministre docteur Gargoni en pile moun gade son visite qui gen un paquet de coïncidences là-dedans parce que premier moun qui était allé c'était Denis Hopkins et ambassadeur pays les États-Unis qui ta qui te bon visite dans cap haïtien par la suite nous pral constater li suivi de premier ministre docteur Gargoni avec corps diplomatique là qui ça ou ta régler est-ce que ambassadeur américain ta fait place pour te recevoir Gargoni parce que je dis en pile moun dit yon feuille de route que Gary Koni gagne, c'est ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de France qui balil. Est-ce que c'est lui-même qui a exécuté, surtout dans la visite qu'il fait dans Grenoble? Premier ministre Gary Koni écrit ça sous compte X-Li. Moins ouais, moins écouter, moins apprendre, moins recevoir doléances avec message, l'espoir, paysan, investisseur, à qui ont parti dans jeunesse nord-est là. Gouvernement prend le travail pour renforcer production. Marie Baou, et puis arranger pour être capable de démarrer avec construction lycée technique agricole René Théodore dans Wanamet pour aider à améliorer revenu agricole. C'est ça. Et Premier ministre Docteur Gargoni déclaré, il continue pour le dire, moins content parler avec Roselyne Joseph, maman bébé, et Sia Moyo, qui arrivait à l'hôpital Mibale. Moi remercier autorité nord-est yo, autorité santé publique yo, ambulancier yo qui vivait conduit famille l'hôpital Mibale. Moi parler à direction l'hôpital là pour encourager yo faire tout ça qui possible ak support gouvernement pour garantir santé bébé sa yo. C'est un scandale. Non, nord-est pays a côté te gen un jeune demoiselle qui est Roselyne Joseph qui accouché yon bébé si à moi. Len parler de bébé si à moi, c'est deux bébés qui fait tout coller, yo coller yon pas séparé de l'autre. En plus, le monde t'a estimé c'est ton mystère, eh bien, de vivre fait dans le pays d'Haïti, eh bien, le premier ministre a rencontré avec maman, yo obligé accompagner yo pour aller à l'hôpital Mibale, pour essayer de faire opération pour cap détacher de bébé sa yo, blessure de son. Premier ministre, docteur Gargoni continue dans son spal pour dire que la prend responsabilité. Mais n'a pas rappelé, dans la visite, docteur Gargoni, sous canal là, il pas traché un mot avec journaliste Blaise Peterson qui suscitait un pile débat. Gagné ancien député Jerry Tadje, c'est ancien député et Pétionville, après Blaise Peterson. Quoi c'est Pétionville? Exactement. Qui dit? Exactement. Moi. Oui, ancien député et Jerry Tadje qui sorti dans 50e là, si je ne me trompe pas. Ancien député Pétionville et une grande monsieur c'était président commission et sous question changement constitution. PIA, chita parlé. OK, important parce qu'elle doit aboutir à un nouveau projet société pour Haïti à caillon passé main dans la constitution. C'est des responsabilités que monsieur dame ça a gagné dans comité pilotage que on mettait campé là qui pourra discuter sur l'autre Haïti a, et planifier discuter avec ensemble peuple haïtien de pour parler des questions et dialogue national, conférence nationale ou de ouais Sinep TLP qui t'a prôné question ça.
En pile nèg yo pas d'accord, mais je veux dire arriver comprendre faut que dialogue national qui cap permettre que nous sortir dans situation que nous trouvons. Si la garder question insécurité en dedans pays en toujours les personnes mon cabaret pas qu'on a qui sain yo doit adresser yo et bien bandi exam qui prend commune cabaret en otage depuis plus passé 5 mois et bien yo arriver kidnapper ou pipiti 5 moun dans zone ci là et ça permet violence à la Pérez continuer à blayer dans cabaret population qui mandé avec autorité qui dans la police, qui dans la justice, qui dans le gouvernement, pour au moins songer existentiel des personnes. Autorité communale qui trouve dans grand dans ce pays, si n'a gardé question Kazek yo, et des Kazek dans 47 sections communales qui étaient entendu pour te chita discuter avec magistrat yo, avec délégué départemental là sous opération que y a mené qui le nettoyer grand dans pour chercher tout côté Zéphéis, Zagoloraï, sans foi ni loi, Antonio, pour y'a fait sans couler. Dans le processus, pour monter question, conseil électoral provisoire, ma souhait gonfler, continuer, dans mi-temps, organisation, cap défendre droit mounio, pour jusqu'à présent, les situations, y'a pas qu'à une formule, pour y'a désigner qui est-ce qui pral, représenter y'a, dans sa qui vient pour avec, monter conseil électoral provisoire, qui toujours, y'a un processus, c'est très douté, parce que monde qui en est dans le pays, et diaspora, y'a posé cette question, est-ce que élection, cap arrivé possible, si insécurité n'a pas résolu, est-ce que l'élection est possible? Si niveau précarité, chômage, si dans le pays, il n'y a pas rien qui fait comme amélioration pendant qu'on est, le gouvernement qui a parlé des déficits budgétaires, il y a besoin au moins de remembrer l'économie pays pour parler d'élection. À part de ça, la situation, c'est des arrivistes, c'est des gens qui n'ont pas même espéré, c'est des coqs qui peuvent arriver, continuer à venir pour conduire une pibale qui côté nous et je dis à la situation. Effectivement, Desi Benes, nous chargez coula pour l'oeil et nous prenons le mon cher Gébara, nous chargez coula pour l'oeil. Et nous prenons des amis qui nous ont capturé l'émission ça dans Calfou Vérité matin. J'en ai toujours des amis ça. En nous like émission nous. C'est la meilleure façon de encourager le travail avec Desi Benes. Like li, partagez le. Quittez un commentaire et soit peine tombé sous média ça yo. Qui c'est mes sacs nouvelles, Blaise Info, Point Nouvelle, votre calbas Info Racine Nouvelle Haïti. Abonnez avec Média Sayo pour capable grandir communauté nous. Et bah bon, menti là, c'est bon j'ai information. J'en dédie en désir, gè plusieurs dossiers qui nous kal parler sou yo. Encore dossier qui gè pou avec dossier sanction contre ancien chef l'État Michel Joseph Martelly. C'est vrai ça kembe actualité et nous mettez focus sur lui, mais c'est même gens avec tout l'autre nèg ki te konnen soit département d'État américain était sanctionné. Donc, ancien PM Jean-Max Belrive, ancien sénateur Nenel Kassi, et pays Canada était sanctionné. Mais tout ensemble de monde qui était passé dans pays ça comme autorité, soit, bah qu'on est si c'était ZAM qu'il était, bah qu'on salte utilisé. Mais pendant qu'il était chef, que l'ité responsabilité contribuer dans le développement pays ça, au lieu que t'ai fait ça, c'est enterré que t'ai enterré pays ça. Dans la question pour tes zaman dans ghetto, m'da capable d'alimenter sous insécurité, dans créer instabilité, impliquer dans question de trafic zam, dans faire zam entrer dans pays, dans conteneur à bay dans ghetto yo et trafic drogue, blanchiment l'argent, vendre ressources pays ça, mais n'a dit des Yvenes quelque soit mon courrier dans quelque soit secteur courrier jodi an la faut que gagne de décision qui prend compte moun sa yo et faut que société haïtienne parel pour commencer voyez moun sa yo dans poubelle histoire voyez moun sa yo jeter pour dire que nous pas besoin moun sa yo jodi am toujours dit moi même pendant 30 dernières années sa yo payant qu'on est deux gros régimes. Moi-même, à ma connaissance, oui. Bon, je dis, pendant 20 dernières années, ça m'a dit comme ça. De 80, de retour à Aristide, en 94, mais 95, c'est 94, arrivé journée, jeudi, en là. Moi, mettez dans le temps, de 94, de retour à Aristide. Après exil, à jeunes jeudi, pays d'Haïti connaît deux gros régimes.
qui c'est Lavalas, Lavalas avec Aristide, Lavalas avec René Garcia Préval. Parce que les Aristide retourne en 94, Lipral fin fait reste mandat en 95 et de fait 95 commencé année 1996, Lipral organise élection, René Garcia Préval d'après le fini comme président. Pas oublié. Mgwe Préval, l'issé était premier ministre Aristide en 90 ou 91, si m'a trompé. Ça veut dire, Préval vient retourner, vient président dans l'élection 95-96. Préval prête serment en février 96. Libéral fait de 96 à 2000, à année 2000, et 2000 que Préval fait élection, et 2001, Aristide Préval vient président. Malheureusement pour Aristide, et gens qui reprochaient de mauvaise gestion, bien que tout, et nous connaissons tout ça, crive Aristide, a été mais international derrière, a été politique derrière, a été de bras économique derrière tout en Haïti. Aristide a pris exil le 29 février 2024. De 2024, de 2004, pardon. 2004, c'est bien. Nous avons pouvoir transition avec Boniface Alexandre, qui était président de la Cour de cassation dans l'époque, non? Et qui t'a pris automatiquement président paysan, mais il t'a pris le bal au premier ministre qui était voyé par nous, qui c'était Gérard La Tortue, que tout le monde connaît, était l'île Gérard La Tortue. Gros Gérard. Et qui était. C'est lui qui était président. Boniface l'a comme poupée pétrole, mais c'était Gérard La Tortue qui était président. Parce que c'était, il était en mission et c'était où envoyé. Besoin de dire, monsieur volé, on étalage fortune. Mais et sous monsieur que vous volez, et monument avec Mao. Lyon te dévoile pas la justice, monument avec Mao, qui est chaîne masse. Vous comprenez? Et c'est ça, en pile politicien, en pile historien, rapporté, ou dit, bon, moi-même, jusqu'à présent, pas de données palpables, m'a passé sous lui. Élection que Gérard La Tortue avec Boniface Préval organisé en 2005, Lavalas dit qu'il faut voter Préval pour que, parce que notre souci yo que Préval a fait Aristide retourner. En 2005, élection faite, on crée ça que Préval face avec Leslie François Saint-Maniga, Préval mon Albert en piscine Montana pour Préval venir président. Préval presque fait tout mandat là bas quoi Aristide t'est tourné si m'a trompé parce que Préval Aristide pour aller tourner dans pays que c'est sous Matéli. Mais pas oublier Aristide Lavalas si on pas d'accord gain ça m'a dit d'accord avec mais on pas d'accord avec tout n'a d'accord tout sur Aristide t'es gain pile ça dans les places publiques ça vrai t'es gain pile place publique sur Aristide t'es gain en pile et l'école nationale qui t'est construit. Te gapi le lycée te construit. Ça fait un petit bagage en tout. Mais, n'a pas d'accord tout. Et question, vina bay jeune garçon yo. M'ba dire sou l'ite commencé net. Non, mais quand même, Aristide c'est un élément pionnier. Alors, régime Lavalas, non? L'ise un élément pionnier. Nan question, ça n'est le jeune garçon kap gen zam en nage tout. Et c'est là. L'ite a commencé sou li. Exactement. Et là, on va songer qui quantité ça qui est passé dans la bataille 2004 pour voir Aristide Ali. Nous avons tout bagage ça. Mais, et là, après, j'ai un tout phénomène, question. Nous allons commencer avec question chimère. Question mot. Bagage ça, après, prendre naissance. Et nous te vivre, nous quitter peut-être. Puis grand monde, puis grand PC sous passé. Nous te vivre 2004 sur Aristide. Ça n'est l'opération Bagdad. Belle Air Cité Soleil. Baba nous menti, ça c'est deux côtés que tu as gagné, c'était deux bastions Lavalas. Belle, la Saline, Cité Soleil, c'est deux côtés ça, c'est la Lavalas Chita. Et nous connaissons qui gros bataille que le ministre a mené pour te faire un petit mot sur la paix dans la période ça. Mais, après Préval 2010-2011, Préval gagne l'élection. Mandat Préval fini. Peuple en. Ouais, Préval pas vraiment fait un de sérieux pour Aristide Vini. Et puis, le Préval garde l'élection 2010, Préval 2011, c'est vrai que l'équipe ben moun formé
intellectuel, yo te dit te gen takou le cas de Milan Maniga. Et puis te gen Marti, te gen plusieurs autres monde, mais te gen Martelly. Peuple a dit mais non. Yo prend trois monde sérieux déjà. Ba il prend coup de suite Mickey, ti Simone. Fann dit bien. Martelly te gon bel discours. Il te apprend très rapide. Dans monde qui était dans bonne équipe Lyon, monsieur te apprend très rapide. Puis te gon bel discours. Et monsieur te arrivé sur moun yo, fann dit baga la clé. Mais moun yo dit mon cher ba, yo pas dans maman, ba pour coup pays vagabond mon coup petite qui s'est Martelly. Est-ce que vous comprenez? Voilà, au cas où réduit ensemble, si je ne me trompe pas, pour Martelly président. Parce que Mounio te dit, bah, pour le coup de président. Bah, Martelly, son est qui est éclairé, son est de la classe en haut, il peut le représenter et il peut le vendre le pays valablement. Je te dis, bah, pour le coup de Martelly. Martelly, à l'élection, Martelly vient président. Je suis d'accord avec moi. Martelly vient président. Quelqu'un qui te croit que. Il y a des problèmes paysans. Je ne pas dit qu'il a résolu à 100%, non. Mais il y a des problèmes paysans qu'on connaît bien avant. Il a dit que les problèmes, ça, il a réduit dans la dimension. Ou dit, est-ce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent jamais tourner là-dedans encore. Mais les gens prennent mal les plaisirs. 20 personnes ont bagaille qui passent. Pendant ces temps, ils connaissent ça, ils ont réglé personnellement à eux-mêmes. Les gens maquillent et misent les peuples. Les gens font une équipe de bonnes amies, de concordes. Riche pendant ces temps, il était venu avec un ensemble de programmes misérables, déshumanisants. Ti maman chérie, ti papi doudou, cours étudiant, et pas qu'on est pile bonne bagaille ça yo. Pendant ces temps, nèg yo c'est maquillé, t'a maquillé, misé peuple là, pendant ces temps t'a fait gros la gros, yo t'a volé gros ma gros l'argent yo. Est-ce que nous voyons ça? Eh bien, gros équipe bonne nèg j'en ça nous les négan ouyo c'était équipe de Martelly mais négo te vin vraiment négo te bon grand négo à l'époque négo t'a fait bon l'argent à l'époque oui et nous songe te gon son sur la familia te gon rené le récif c'est de nèg qui est connecté gros kidnappé de gros comme si nèg qui était dans gros gang en pays yo te vin dou que nèg sa yo il était venu jouer une paternité et qui PHTK que Martelly était président à l'époque là. Et ouais, dans plusieurs rapports sortis, montrer que avec présence Martelly, présence PHTK pour voir ça, mais l'équipe ben nek nous les nek en royo qui c'était deux nek de la classe Martelly ça était rien, mais avec présence Martelly comme président, il est venu jouer une légalité dans de actions malhonnêtes qui ont fait dans pays. Oui. Et il y a une paternité que pour ta poser de action qui était qu'on a fait en cachette mais qu'il y a une pouvoir yo yo fait bagarre à vive voix. Nous te comme ça. Mais je dis hein, nous ka comprendre que les Martelly t'es décidé camper pour te dire que eh bien pays hein, Haïti avec la mode open for the business là te dit là nous ka comprendre que maintenant qui situation que pays a venir. Et n'a dit désir vraiment gain doute sur qui côté que ancien président Martelly récemment les que sanctions ont sorti gain des journalistes gain des amis Martelly qui est il te dit que li la Kylie dans Miami si m'pas trompé OK mais kounya information qu'a venu joindre nous que en pile média relayé yo t'a voulu faire comprendre que Martelly pas aux États-Unis dans moment semblait ancien chef l'État El Michele Martelly les mêmes que t'a prend un avion privé peut-être est-ce que c'est direction Haïti et qui côté ou pas mais il y a des questions qu'a poser. Et yo même aller prendre le bureau dit semble Martelly gèle même t'a déplacé quitter États-Unis sans famille. C'est des questions qu'a posé. Et pas oublier accusation posée sous de Martelly c'est qui ça yo yé? Trafic drogue, blanchiment d'argent et trafic zam. Trafic drogue, blanchiment d'argent
et trafic zam c'est yo qui pèse sous dos mateli. Mais désir moi veux faire un petit rappel pour zami internet moi yo. Vous avez ça dit trafic drogue, blanchiment l'argent et trafic zam. Désir m'pral fini avec un petit rappel pour zami internet moi yo. Dans un reportage que on confrère nous dans le temps les culte travail dans radio dans radio télé métropole n'a parlé de Luc Néa Gawo qui ça matérialité dit la question de monde qui au même pas danser coller avec matérialité les matérialité dit que il pas en affaire avec du trafic en drogue pas en affaire avec de corrompus, c'est que ça veut dire que l'imène mène bataille contre ça. Reportage ça, que confrère nous, dans le temps, qui était dans métropole, qui c'est Luc Néa Gawo, que l'été réalisé dans le cadre d'une interview, une activité qui est l'étape d'une activité que l'été bat avec deux journalistes, entendez, qui ça l'été dit. L'été président, mais ça que l'été dit, ok? Et voilà que jodi, ça gagne 11 ans de cela. Et jodi, hein, en garde de saleté, il tape combat là. Avec ça, il reproche, je ne jodi, hein, nan qui ça pour nous croire? Est-ce que nous croyons dans l'ancien président? Ou dis-moi, est-ce que nous croyons dans ça que le département Trésor États-Unis, les mêmes métiers de la désirvenesse? En fait, nous entendons ça. De blanchiment d'argent, pas de trafic de drogue, pas de corruption dans mon gouvernement. C'est écrit haut et fort le président Martelly. L'exécutif tente de se déloigner de toute suspicion. Michel Martelly est intransigeant. Son administration doit être un modèle de transparence. Si on bricoue et doit être pas bon et que nous pas de information, ouais, même côté à nous retirer mon nom. Par exemple, sous prend et au palais national, ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas un secrétaire général. Et secrétaire général là, c'est lui-même qui peut signer tout chèque pour même mon paye, mon toucher. Donc voilà que nous parlons à gain 2 mois, rien pas qu'à faire. Pour qui ça? Parce que je ne peux pas mettre n'importe qui est dans le poste qui pouvait faire n'importe qui ça avec l'argent de l'État. Toutefois, le chef de l'État affirme ne pas connaître assez bien l'ensemble des membres du gouvernement pour la défendre tous. Le président appelle donc à la vigilance. Si je choisis ça pas bon, car tout le monde, je dis à madame Benoît Moun, parce que je garantis nous une bagaille. Chaque monde qui a un petit bagaille là, il n'y a pas de plaisir. Donc si c'est sous bagaille ça, Rochita. Le gouvernement n'a pas oublié la mission que lui a confiée le peuple, rappelle le président. Michel Martelly se dit déterminé à apporter des solutions aux problèmes des citoyens haïtiens, comme il est en train de le faire pour la charte de la vie. L'islam, nous songeons que Dieu a baissé à 2% et gain un autre produit encore qui est 4% et gain d'autres qui montent. Ou après que tout programme social que nous avons parlé de là, que le c'est Abagangou, que le c'est Timoman Chéri, que le c'est Corée Famille, et que nous pouvons entendre parler de lui, que des représentations qui ont été faites dans Primature avant hier, tout programme, ça, c'est un programme qui pourrait aider les gens passer un passage, passer un moment difficile là. Notons que des parlementaires s'apprêteraient à interpeller le gouvernement alors qu'un éventuel remaniement ministériel se profile à l'horizon. Le chef de l'État dit croire en son premier ministre et ne redoute pas ses interpellations. Ça, c'est, bon, me rappelle les amis, j'aime dire le commencement, ça, c'est un reportage que confrère nous, Luc Néa Gawo, qui a réalisé, eh bien oui, ça a 11 l'année de cela, que Luc Néa Gawo a réalisé le reportage, ça désire. Ça a 11 l'année de cela. Qui donc, vous entendez bien, pas de trafiquant de drogue, ok? Pas de questions corrompues dans le pouvoir matériel à l'époque. C'est ça, il était déclaré. Et je vous dis, hein, les que Luc Néa Gawo t'a fait reportage ça, sûrement, et parce que Martelly te gen de doute et de baga qui t'a dit de moun qui nan entourage li nan gouvernement là. Kounya, nan aimé konnen de moun qui te nan gouvernement Martelly qui te capable gen de doute sou yo, soit de corrupteur, corrompu, de trafiquant de drogue, ce qui peut être jodi a gen droit vivant. Les que ou t'attendez, soit moun sa, que yo pas nan pouvoir matéler parce que t'as gen de suspicion sou yo, comme des corrupteurs corrompus, ou dis-moi ce que des trafiquants de drogue. Et je dis, hein, avec Martelly de sa reprocher, je dis, il cite aux États-Unis, que département Trésor États-Unis reproche l'an, qui s'est passé? Quel problème n'a-t-il?
Ça, c'est des bagages que vous posez comme question. Et bien, c'est pile dans nous qui là, n'a posé même question ça. Deuxième galba ou mon frère, mais m'vle, gon l'autre et reportage, que m'kal permet moun yotande, et bien, c'est après ça m'galba pour capable avancer. Qui ça le reportage dans nous? C'est confrère nous, qui c'est Luxon Saint-Ville, ok? Confrère nous Luxon Saint-Ville, qui est même qui de la Voix d'Amérique, ok, mais qui t'est passé dans le temps et dans Radio Télé Métropole et qui s'est correspondant Radio Caraïbe état de États-Unis à Haïti, mais qui lui-même je dis capable dit vraiment qui s'est correspondant radio, alors qui s'est correspondant et alors employé VOA créole mais de l'État Floride pour la Voix d'Amérique. Luxon Saint-Ville confrère nous qui c'est un ami tout que nous parler avec tout en privé qui lui-même t'a traîné micro à caméra dans Miami. Et faut que nous rappelle tout maman Dixon Saint-Ville, c'est fanatique nous qui garde nous chaque jour et quand on a parlé de ça faut que nous rete chapeau pour nous saluer famille. Exactement. Et ben Dixon Saint-Ville qui t'a fait un micro trop trois qui t'a parlé t'a rete chapeau pour que les capable tendre comment opinion haïtien qui a vive États-Unis yo yé sous dossier sanction qui prend compte ancien président Martelly. Opinion partagée, Jean-Luc Son Kenkal tande là. Opinion partagée et m'pense que c'est même Jean ou même qui en va commenter ça en bas émission ça, opinion partagée bakoto. Andan de Luxon Saint-Ville à travers micro de côté qu'il réalise. Luxon Saint-Ville en permet moun yo tande, Jean que ou même ou té abo ou té traîner micro là et ça moun yo té dit. Jean nous capable boel c'est en bas la pli dans Florida nous te traîné micro nous pour te prendre impression quelques citoyens haïtiens sous sanction que pays les États-Unis à travers département trésor américain prend contre ancien président Michel Joseph Martelly. Son sujet qui est extrêmement sensible, nous n'avons pas vraiment envie parler mais quelques monde qui réussit ba nous ou bien casser Timoso la parole avec nous. Faites connaître d'abord c'est une sanction qui pas étonné yo, yo bien accueilli. Cependant, il aurait été un petit cas sceptique quant à suivi qui qu'a fait après sanction ça yo. Plusieurs là-dedans yo dit nous Martelly toujours dans Florida a continuer fonctionner. Il aurait été quoi? C'est une sanction qui t'a doit plus sérieux et gain l'autre monde qui t'a doit sous liste ça. Moi d'après Jean Barayo et d'après Jean te connais moi il méritait ça. Il mérite pour gagner cette option. Parce que étant un ancien président, ce n'est pas ça que vous attendez de lui-même. Pour moi-même, je prends une bonne décision. Ok? Je prends une bonne décision parce que côté pays est là, c'est eux-mêmes qui causent. Le pays a plein de gangs tout partout. C'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les mains. Je suis capable de dire qu'il m'a fait sur le quartier de. Ex-président au bagage, il n'est pas d'accord et puis il était serré la police. Mais son sanction qu'il a déjà eu, Kounia ou pas de travail. Et ça, ça me décale. Eh, bon, ton date matériel là, Kounia, comment faire Kounia sanction? Ça veut dire que tu as mis une enquête et Kounia ou découvrir quelque bagaille? Non, sanction pour les États-Unis, bon, peuple a remis matériel, il n'y a pas de sanction qui a continué, non? Je ne sais pas qu'il est temps qu'il est arrivé pour être arrivé sous matériel. Maintenant, si c'est arrivé sous matériel, d'après ça, je suis dans l'arrière, je ne suis pas satisfait. Martelly est là, Kalila, dans Florida. Si ça, ça veut dire. Un homme de Martelly, c'était qu'à vous, Martelly descend à Haïti. Peut-être qu'il y a une fièvre. Peut-être qu'il y a une fièvre. Et puis, il y a un côté pour elle, t'es qu'à aller, t'as besoin de soins. Mais, mon ité mettait à examen, mais, cause, il n'y a pas qu'à aller. Et puis, peut-être qu'il y a une tête liée, elle descend. Il y a descendu en bagaille. Martelly, normalement, tu as toujours dit qui est lié. Et malheureusement, Martelly est arrivé président, mais il a toujours dit qui est lié. Sanction pour moi-même, il faut sanction aller plus loin, puisque Martelly, je connais son homme fort, il faut que sanction aller au-delà. En attendant, il y a l'autre étape qui franchit dans le dossier, Michel Joseph Martelly avec groupe Les Suites, mais qui programme. En avant, c'est désir. Bon, Vestation, sanction Michel Joseph Martelly a vint pratiquement réveillé. Il y a ensemble sanction qui était là déjà. Faut que nous rappelons, mon yo, pendant qu'on a analysé, Martelly a gardé mon sa yo, majorité mon, que confrère Alexandre Saint-Ville rencontré, yo estimé, sanction yo, c'est pas erreur, sanction yo, t'es cas, soit PC don, te font vote tout.
n'a besoin majorité moun yo qui dit que t'es gain suspicion ou bien t'es gain que Michel Joseph Matéli et chanter suite Mickey ancien président de la République c'est drogue dealer. OK, pas de gain doute sur ça, mais malheureusement ou ap wè que Michel Joseph Matéli t'es tout le temps pensé que le cap trompé sien l'el montre ou nan investitil nan la parole que la prend li pas dans ses coller avec ça qui gain pour avec et drogue dealer et nèg qui corrompu. Parce que l'été montre la vie de président là, il n'y a pas rien dans le trésor public là. Bon, aller plus loin. Zami internautes et zami qui branchent le pays de Porto à travers télévision, au téléphone, quel que soit côté où il est dans le monde là. Département trésor, même département trésor qui sanctionnait Michel Joseph Matéli ou bien département affaires publiques États-Unis. Il était prendre décision pour te sanctionner ensemble l'autre politicien haïtien nan mois décembre 2022 directement nan date de décembre 2022 trans sanction si la ou te sorti l'invitation les amis internautes côté États-Unis te prend sanction contre Ronnie Célestin Richard Lenin Foucan. OK, yo te prend sanction contre moun sa yo. Pour qui ça que yo te prend sanction contre m'a parlé de décembre 2022 l'autre monde qui gagnait même si sanction avec Michel Joseph Matéli qui ça que nous que les États-Unis fait dans la question ça et nous sommes ensemble de hauts dignitaires on est dans pays parce qu'on est qui était sénateur qui était gagné et le plein pouvoir pour te voter loi pour te faire discussion pour te empêcher pays arriver là. OK, département trésor États-Unis te désigné ancien sénateur Ronnie Célestin. OK, ak Richard Lenin Foucan, Richard Lenin Hervé Foucan, d'après exécutif et OA, dans sa qui est pour avec et article ou bien et décret loi qui a été gagné sous question ça 14059 qui date 15 décembre 2021, il a été imposé sanction sous des sénateurs ça. Pour qui ça qui a été il a été déposé sanction contre monsieur homme fort ou bien homme politique ça ou des personnes, c'est toujours dans sa qui est pour avec question drogue en dedans pays a quel était Hervé Foucan, quel était Ronnie Célestin. Est-ce que nèg sa yo nou est sanction yo affecté yo? Qui sa sanction yo fait contre yo? Est-ce que nèg sa pas continuer à boire quoi bien dans pays d'Haïti? Nan micro trottoir que Nixon Serville fait a, ou après gagner youn nan haïtien qui nan état Floride là qui déclarer c'est Haïti qui t'a dû voyer Michel Joseph Matéli. Mais qui est l'état haïtien a pris responsabilité pendant communauté internationale là? Département trésor américain a identifié drogue dealer assassin criminel yo, pas oublier que trafic drogue li c'est un crime selon la loi Blaise Pierson. Je ne pas entendre pour quitter Haïti tant que son espace que négo ka caché. Les OFAC te essaie de regarder Ronnie Célestin ak Foucan qui ou bien yo été essayé engagé yo dans activité transaction qui contribuait et matériellement dans sa qui vient pour avec question risque sur la vie moun dans contribution matérielle.